Le rendez-vous tant attendu est enfin arrivé. Asseyez-nous, le chrétien, la honte et le complexe. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans ce beau décor de la clinique à Issa. Ce soir, votre émission Asla Inou, Charla Mikungi, dans ce beau décor offert par la clinique à Issa. Bonsoir, Charla Mikungi, que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse, madame la journaliste, hein, et qu'il fasse de même pour les nombreux auditeurs, téléspectateurs qui nous suivent à travers la chaîne qui est au cœur de Diaspora, Ziana TV, à travers le canal du Dieu vivant, la RTOPH. Le langage universel que nous utilisons depuis que nous avons commencé cette émission, commence à avoir une compréhension au niveau des uns et des autres. Parce qu'au départ, certains étaient fermés parce qu'ils ne comprenaient pas trop la ligne éditoriale de cette émission. Et on a fini par comprendre qu'en fait, nous sommes au-delà des frontières, nous sommes au-delà des dénominations. Nous parlons des choses qui nous concernent de façon directe, sans pour autant que nous puissions prendre les barrières des noms, les barrières des religions, les barrières des dénominations. Et je m'en vais par exemple vous dire que j'ai eu une forte motivation par rapport au thème de ce jour parce que nous avons été présentés à une famille. Vous savez, un monsieur, une dame, un foyer, une famille, le mari, la femme, quatre enfants, bonne situation sociale. Et un bon jour, le monsieur s'est fait approcher par son patron et le patron lui dit « Mes affaires vont de l'avant et je t'affirme que dans les mois, dans les années à venir, nous allons brasser encore beaucoup d'argent. Alors, je voudrais avoir autour de moi des collaborateurs fidèles. » Et il dit donc à ce frère-là, donc le patron qui dit à ce frère, son employé, que j'attends de toi une fidélité. Mais je voudrais moi-même garantir cette fidélité en faisant quoi? J'ai ma nièce, tu vas l'épouser. Tu vas épouser ma nièce. Cela veut dire que tu vas te séparer de la mère de tes enfants parce que en épousant ma nièce, j'ai la garantie de ta fidélité. J'ai la garantie de ton obéissance. Et c'est à prendre ou à laisser. Parce que déjà, ce frère-là a été mis dans des bonnes conditions matérielles, dans des bonnes conditions financières. Il est rentré à la maison. Et il a pris tout de suite la décision du matériel, la décision de l'argent. Et voilà comment du jour au lendemain, il va mettre sa femme dehors pour épouser la nièce de son patron dans le seul but de préserver les intérêts matériels et financiers. Ce n'est pas une histoire fabriquée de toutes pièces. Il ne s'agit pas d'un rêve ou d'une vision, comme diraient certains. Cela s'est passé comme je vous l'explique. Et nous avons les plaintes de cette femme qui a été repudiée de ses enfants, qui du jour au lendemain, c'est vrai, nous sommes dans toutes ces pesanteurs de la vie de tous les jours, mais c'est un couple qui faisait l'effort de vivre dans l'harmonie, dans la cohésion. Et du jour au lendemain, la femme s'entend dire que ça ne peut plus marcher, ça ne peut plus aller loin, ça doit s'arrêter simplement parce que le mari, pour garantir sa situation sociale, ses acquis, ses aises, a préféré adhérer à ce que son patron demandait. Je vais vous prendre un deuxième exemple. Des choses que nous vivons parce que nous déclamons des versets bibliques, nous disons des prières à longueur de journée, mais dans notre sein, il y a des réalités qui nous rappellent que c'est peut-être seulement l'apparence qui s'exprime en certains d'entre nous quand nous parlons de Dieu ou quand nous sommes présents dans le lieu de prière. Donc, il s'agit d'une dame, cette fois-ci aussi, qui se fait approcher par son patron, toujours les patrons. C'est pour ça que je n'ai jamais souhaité être un patron. Et donc, il y a une relation extra-conjugale qui se crée,
Le patron est marié, la femme est mariée, et le patron se met à sortir avec la femme. Il met la femme dans des conditions matérielles et financières que la femme n'avait jamais eues en 15 ans d'union qu'elle avait avec son mari. Et à un moment donné, le patron lui dit, écoutez, moi j'en ai marre de te partager, je ne supporte plus de te partager, tu as un choix à faire. Ou tu acceptes de continuer avec moi, ou alors on arrête tout. Et tout s'arrête. Et la dame dit, mais comment je veux faire? Comment j'ai 3 enfants dans mon foyer? Comment du jour au lendemain je vais arrêter? Et dit, tu trouves une solution, ou alors tout s'arrête. Et voilà la dame qui se propose de mettre du poison. Donc ça, je ne parle pas des gens qui ne connaissent pas Dieu. Les exemples que je prends concernent des gens qui prient, concernent des gens qui fréquentent des églises, concernent des gens qui fréquentent les lieux de prière. Et voilà, tentative d'empoisonnement, mais le mari ne meurt pas. À 2 reprises, le mari ne meurt pas. Et prise de remords à la fin, voilà la femme qui va être obligée de se confesser. Parce qu'elle va comprendre à la fin qu'elle est en train de gaspiller toute une vie d'harmonie, de cohésion, de gaspiller même l'avenir de ses enfants, parce que qu'est-ce qui garantissait qu'après la mort de son mari, que le fameux patron devait la prendre pour utiliser une formule d'éternité en éternité? Je suis juste en train de planter le décor, parce que pour simplement démontrer aux gens que les sujets que nous abordons ici sont sans frontières. C'est des sujets pour lesquels notre conscience doit être interpellée dans notre relation avec Dieu. Et cela n'implique pas que nous soyons forcément catholiques, que nous soyons forcément protestants, que nous soyons dans l'armée du salut, non. Le troisième exemple, c'est l'exemple d'un monsieur très assis. Un monsieur pieux, manque pas la cathédrale 6 heures du matin, il manque pas l'église 6 heures du matin, c'est un monsieur qui est aussi assis. Et par les liens de mariage, il vit avec son épouse, avec les enfants, et à un moment donné, son épouse qui n'était pas stable, c'est-à-dire qu'elle était tout le temps en voyage, va se dire que la belle vie pour elle, c'était la vie des voyages, la vie des affaires, ce qui n'est pas interdit. Alors, elle va prendre pour son mari une cuisinière, un chauffeur. Dans les cuisiniers, il y en avait 2. Le chauffeur, il y en avait 2. Les ménagères. Donc, elle n'a jamais fait à manger pour son mari. Elle n'a jamais arrangé quelque chose ou quoi pour son mari parce qu'elle se disait qu'elle payait des gens et que ces gens-là étaient payés pour le faire. Et elle était dans les voyages et tout. Donc elle se disait que son mari ne manquait de rien parce qu'elle dépensait beaucoup d'argent pour mettre son mari dans ces conditions-là. Et voilà, un jour, le mari fait partir, la femme est en voyage à Dubaï, le mari fait partir le chauffeur. Et il est un peu dans l'oisiveté, et il s'est dit, bon, il y a longtemps que je conduis, je vais essayer de faire un petit tour dans la ville. Parce que même conduire, sa femme ne voulait pas. Il y a le chauffeur, pourquoi tu vas conduire? Donc il prend la voiture. Ça se passe ici à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Il prend la voiture, arrivé vers le rond-point Lumumba, il se fait arrêter par une auto-stoppeuse, donc il y a une jeune fille qui l'arrête. Sans hésiter, il s'arrête. Il dit, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me déposer vers l'OCH? Vers l'OCH, il y a un quartier, pour ceux qui connaissent la ville de Pointe-Noire, ça s'appelle Dibodo. Bon, le gars, il dit, mais c'est où tout ça? Parce que lui, il se promène là, vraiment. Il dit, non, je vais vous montrer. Il fait rentrer la demoiselle. Il démarre, la demoiselle guide, et arrivé quelque part, la demoiselle lui dit, c'est ici. Ah, ok, madame. Et il va comme ça, puisqu'il va se dire, bon, je vais lui partager, je vais lui donner quelque chose. Il prend un billet de 10 000, il donne à la demoiselle. La demoiselle dit, est-ce que je peux vous remercier? Est-ce que vous pouvez descendre? Lui aussi, sans hésiter, il descend. La jeune fille la prend, c'est une maison en planche, quelque part, tout ça, la fait asseoir sous l'arbre, le mangue qui était là, et mettez-vous à l'aise, elle enlève les chaussures du monsieur, elle va faire bouillir un peu d'eau tiède, elle met les pieds du monsieur dans l'eau, commence un peu à masser les pieds, et laisse les pieds dans l'eau, va faire un petit bouillon rapide, un peu de coco, hein, le nietom africanum, le fumbu et tout, un peu avec du poisson, makwala, jeté comme ça dans le désordre. Elle propose à manger au monsieur. Donc le monsieur, pourquoi il, c'est le monsieur qui m'explique après. En fait, il était en train de vivre des sensations qu'il n'avait plus jamais vécues
depuis longtemps. Ce qu'il a dit, le mot qu'il a utilisé lui-même, il est en train de vivre du naturel. C'est-à-dire que le naturel même. Et voilà, le monsieur est resté là une semaine. On l'a cherché dans la ville de Pointe-Noire, porté disparu, jusqu'à ce qu'il a été retrouvé là. Et on a dit que cette jeune demoiselle lui avait fait des fétiches. Le monsieur, quand il se retrouve, il dit non, il avait besoin d'un moment comme ça. Son corps s'est retrouvé, il s'est retrouvé lui-même, il s'est retrouvé en tant que personne. Mais il n'y avait jamais eu de relation ou quoi avec cette fille-là. Il disait qu'il restait là parce qu'il se retrouvait, simplement. Alors, donc, quand vous voyez ces exemples, ce sont les gens qui prient. Dans le premier exemple, vous avez vu quelqu'un qui a renié même, qui a vendu sa dignité, qui a vendu sa famille pour le matériel et tout. Dans le deuxième exemple, vous avez vu une chrétienne prête à assassiner, à empoisonner son mari pour le matériel. Et là, vous voyez quelqu'un qui était décomplexé. Décomplexé parce qu'il a retrouvé une vie normale, naturelle, sans complexe. Lui qui était habitué au WAF dans de grandes villas climatisées, il s'est retrouvé à Dibodo sous un arbre avec un vent naturel, avec une soupe naturelle, et il a dit ces choses-là. Voilà. Voilà, donc, nous n'allons peut-être pas être lents, mais je crois qu'à partir de ces exemples, au fur et à mesure que nous allons évoluer dans l'émission, nous allons comprendre pourquoi nous avons voulu bâtir le décor de cette façon. Merci pour votre mot introductif, Papa Charme Kungilundu. Avant d'aborder notre thème de ce soir, la honte, le complexe et le chrétien. Donc, avant d'aborder notre thème de ce soir, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Quelle lecture un chrétien peut-il faire par rapport à la marche actuelle du monde? Ah, la marche actuelle du monde, si on la conçoit d'un point de vue humain, elle fait peur. Il y a des phénomènes aujourd'hui qui démontrent que quelque part, il me semble que l'homme, dans sa sagesse, dans son intelligence, a atteint sa limite. On assiste aujourd'hui à des retournements. On assiste aujourd'hui aussi à des questions que l'histoire avait tenté de cacher. Je ne veux pas en parler ici. Mais les plus avertis savent que nous vivons actuellement des choses qui ont tendance à remettre l'ordre établi dans le monde. Et qui ont tendance aussi à dire à l'homme que quelque part, tu as trop fait et il y a le Créateur. Et il se peut que tu aies touché le domaine qui est réservé au Créateur. Et le Créateur va te mettre dans une confusion telle que il va avoir des choses que toi, l'homme, tu seras incapable de maîtriser. Et si tu insistes dans ton orgueil, eh bien, tu seras comme en ce temps-là avec l'arche de Noé. Ça, c'est une lecture personnelle que je fais. Mais ce que je pense que l'homme doit faire par rapport à la marche actuelle du monde et aux démonstrations, à tous ces phénomènes, toutes ces manifestations que nous regardons à gauche et à droite, l'homme doit marquer un temps d'arrêt pour dire, est-ce que je n'ai pas irrité Dieu? Est-ce que quelque part, je n'ai pas fait ce qui est mauvais par rapport à la volonté de Dieu? Merci beaucoup. Servir Dieu en esprit et en vérité, quelle est votre analyse? Ah, servir Dieu, c'est Dieu lui-même qui le dit, hein, que ceux qui veulent m'adorer doivent le faire en esprit et en vérité. C'est la grande question aujourd'hui. Le nom de Dieu est cité partout. Le nom de Jésus est cité partout. Vous avez même des voitures dernièrement, devant un mini-hôtel, j'ai vu un taxi garé. C'est écrit derrière Dieu et amour. Mais il était dans un mini-hôtel, hein. Il a débarqué avec une demoiselle dans un mini-hôtel et il a laissé son taxi avec les écrits « Dieu et amour ». Voilà un monsieur qui se promène avec des écrits comme ça « Dieu et amour ». Est-ce qu'il connaît le sens des écrits que lui-même, de par sa volonté, il a eu à faire inscrire derrière sa voiture? Dieu est esprit. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Cela veut simplement dire, madame la journaliste, chers auditeurs, chers téléspectateurs, que la relation avec Dieu, c'est une relation de sincérité et de vérité. Ça ne doit pas être une relation où on montre quelque chose et au fond de soi, on fait le contraire de ce qu'on veut montrer. On dit quelque chose et au fond de soi, on veut montrer le contraire de ce qu'on a eu à dire. Combien d'entre nous aujourd'hui, et j'insiste, les gens me font le reproche, mais pourquoi tu es obligé de parler de ça tout le temps? Mais oui, combien d'entre nous aujourd'hui parlent de Dieu de façon virtuelle, de façon schématique, de façon symbolique, de façon dogmatique, et ne font pas la volonté de Dieu? Il faut servir Dieu en esprit et en vérité. À la lumière de ce que vous venez de dire tout à l'heure, Papa Charles, quel est donc le rôle de l'Église aujourd'hui? C'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que l'Église est d'abord devenue aujourd'hui? Quelle est la place de l'Église dans la société d'aujourd'hui? Est-ce que l'Église
est encore là pour imprimer une marche dans la société qui obéit à l'amour de Dieu, qui obéit à la volonté de Dieu? Est-ce que l'Église est venue simplement pour cautionner ce qui est fait de mauvais dans ce monde? C'est là toute la question. Est-ce que l'Église actuelle n'est pas là pour cautionner les mauvais comportements, pour cautionner les mauvaises attitudes de certains, pour cautionner l'exploitation que certains font des autres, de leurs semblables? Il n'y a qu'à regarder les scandales qui sont courants dans les églises. Il n'y a qu'à regarder le silence de l'Église par rapport à la vérité. La fuite de l'Église devant la vérité. La fuite de l'Église devant la souffrance de l'humanité. Et vous allez vous poser la question de savoir quel est le rôle de l'Église aujourd'hui. Il faut que l'Église se réveille. C'est le fameux réveil dont on a parlé après le renouveau. Est-ce que ce réveil-là a les résultats attendus? Est-ce que ce réveil-là se fait comme on l'avait pensé? C'est là tout le débat. Il faut qu'on mette ce débat sur la table. Autrement, on a une église de routine, on a une église dans la monotonie qui ne ressemble absolument à rien. Et ne soyons pas surpris que le premier à être déçu et à être irrité, c'est Dieu lui-même. Merci beaucoup, Papa Charles. Alors, pourquoi tant de dénominations pour une seule parole? C'est ça la grande question. L'Église prend l'amour, Dieu prend l'amour. À longueur de journée, nous parlons de l'amour sincère du prochain, nous parlons de l'amour du prochain. Nous disons qu'il faut aimer, nous disons qu'il faut partager. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le milieu le plus divisé, malheureusement, c'est l'Église. Combien de dénominations? Combien de dénominations? Si on part dans les églises séculaires, nous allons avoir l'Église catholique, vous avez l'Église catholique romaine, vous avez l'Église catholique orthodoxe, et vous avez encore des sous-branches, vous avez encore des dissidences dans le monde. Vous allez partir du côté de l'Église protestante, vous aurez l'Église baptiste, vous aurez les luthériens, vous aurez les méthodistes, vous aurez les presbytériens. Après, vous aurez des dissidences encore et d'autres formations. Si vous rentrez dans le mouvement du réveil, là encore, c'est une kyrielle de dénomination. Alors, on peut être tenté de dire pour la seule parole, il y a combien de dénominations? Et à la fin, est-ce que nous-mêmes, nous sommes les modèles de l'amour que nous prenons? Est-ce qu'en se divisant comme ça, est-ce que dans cette kyrielle des dénominations, nous présentons l'amour de Dieu? Puisque quelque part, on est arrivé même à faire que si on est catholique, on ne peut pas écouter ce que le protestant dit. Si on est protestant, on ne peut pas écouter ce que celui de l'armée du salut dit. Si on est lousolo, on ne peut pas écouter ce que celui de l'église de réveil dit. Et même dans le mouvement des églises de réveil, il y a des pasteurs qui ne s'entendent pas. Il y a des antagonismes. Quand vous prenez William Marion Branham, vous allez retrouver des courants différents, de la même obédience, mais des courants tout à fait différents. Donc, si on fait la volonté de Dieu, on peut être amené à se poser la question de savoir l'amour que nous prenons, l'amour que nous voulons démontrer aux autres, est-ce que nous-mêmes nous l'appliquons de par cette kyrielle des dénominations, de par ces divisions de chaque instant, de par ces divisions de tous les jours? Merci beaucoup. Quelque part, il est écrit « Nul ne peut aimer à la fois Dieu et Mammon ». Votre analyse? C'est la grande question d'aujourd'hui. Regardez tous les hommes de Dieu qui se sont adonnés au luxe. Tous les hommes de Dieu aujourd'hui qui privilégient l'argent, qui privilégient le luxe. Mais quand vous êtes englués là, dans la recherche permanente de l'argent, le résultat c'est quoi? Vous ferez ce qui peut vous rapporter de l'argent. Et le grand risque c'est quoi? C'est que vous sortez de la volonté de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui dit « Nul ne peut aimer Dieu et Mammon ». Mammon c'est l'argent. Ce qui veut dire que quelque part, si votre cœur est dans l'argent, votre cœur ne sera jamais avec Dieu. Ça c'est clair. Et malheureusement, c'est le tableau que nous offrons à l'humanité de nos jours. Merci beaucoup. Nous allons faire tour du côté de la régie pour suivre cette insérie et nous allons revenir juste après. Life is precious, you must make it worthy. Come
Mama Bwal Menye Sama Yahweh eh. Mambo Angolo Kaka Yahweh eh. La vie a don précieux Prenons soin de nous Soyons conscients la régie finale pour cet insert. Mesdames, Messieurs, le thème de ce soir, la honte, le complexe et le chrétien. Revenons droit à notre invité Charles Ngilondo. Pourquoi avoir choisi ce thème si complexe à la fois? Quand on prend ces deux mots, allons droit au but. La honte et le complexe. Prenons la honte. Nous allons nous rendre compte qu'aujourd'hui, nous sommes sortis des délibérations de notre conscience. Nous sommes sortis du respect de notre dignité. Nous sommes sortis de la réalité de notre vie. Et certains, pour les biens de ce monde, pour les aises de ce monde, pour les relations dans ce monde, ont honte même de leur nom, de leur personne, de leur famille, de leur maison, de leur travail, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont. Il y a des gens qui se sont fait d'autres personnalités. Il y a des gens qui ne veulent même plus qu'on les appelle par leur nom. Se considèrent comme au-dessous des autres. Des autres. Appeler par leur nom, c'est montrer de quelle région ils sont, c'est montrer de quelle ethnie ils sont, et ça ne va pas les aider à avoir ceci, ça ne va pas les aider à obtenir ceci. Parler leur langue maternelle, ils n'en veulent plus. Parce que ça va les trahir, ça va démontrer que. Donc même la langue maternelle, ils ont adopté une langue maternelle des autres. Parce que en le faisant, d'après eux, ça va les maintenir dans des positionnements de gain et de tout ça. Le complexe. Ça se marie. On ne se suffit plus. On n'a plus la persévérance. On n'a plus la patience. Parce qu'on veut être comme l'autre. On veut gagner comme l'autre. Et si ces choses-là n'étaient visibles que dans le monde, on n'allait pas en faire un thème. Mais malheureusement, même dans les églises, le complexe a gagné même dans les églises. Vous allez voir des gens qui, du lundi au samedi, font seulement l'effort de préparer la tenue qu'ils vont porter le dimanche. Déjà que les pasteurs eux-mêmes, nous autres, la démonstration est faite qu'il faut qu'on ait un garde-robe avec beaucoup de costumes, avec beaucoup de cravates. Il faut que le pasteur monte un costume aujourd'hui et que le dimanche d'après, il en montre un autre. Et les fidèles aussi, ils font la même chose. On vit de complexe. Ah, j'avais vu la sœur Petronille Bibungu très bien habillée à l'église tel jour. Dimanche aussi, je vais essayer d'être soit comme elle ou de faire plus qu'elle. Et le complexe, la honte, deux concepts transformés dans les habitudes de nos vies et qui malheureusement sont devenus le tableau que nous offrons dans la vie actuelle. Merci beaucoup. Pensez-vous qu'il existe des chrétiens qui ont renoncé à leur dignité? Et dites-nous aussi pourquoi. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ont renoncé à leur dignité? Je dirais oui. Parce que Eleanor Roosevelt avait dit, il y a une chose qu'on ne peut jamais vous prendre sans votre accord. La dignité. C'est la dignité. Je prends un grand homme, Nelson Mandela. Ce monsieur qui est resté digne
au-delà de toutes les tribulations qu'il a subies. La dignité, c'est vous qui la vendez. C'est vous qui vendez votre dignité. On ne peut pas vous prendre votre dignité de force. Ça n'existe pas. Il faut qu'il y ait un accord de votre part. Oui, je dis malheureusement aujourd'hui, quand on voit la marche actuelle de la société, quand je vois ce que les gens font, il y a des gens qui ont vendu leur dignité. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même plus le respect de leur propre corps. Il y a des gens qui n'ont même plus le respect de ce qu'ils sont eux-mêmes. Et qui, pour quelques billets de banque, quelques propositions de positionnement sur un plan social, sont prêts à renoncer à ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leur dignité. Il y a des gens qui ne jurent plus que par les noms des autres, qui ne s'en sortent plus que par les noms des autres, qui ne parlent plus que par les noms des autres, qui ne peuvent pas faire un programme journalier de leur vie sans se référer à X ou sans se référer à Y. Il y a des gens qui ont cessé d'être eux-mêmes. Mais c'est très grave. Parce que comment pouvons-nous être avec Dieu si quelque part nous avons renoncé à ce que nous sommes nous-mêmes? Parce que ce que Dieu doit transformer, c'est notre être. Mais si nous ne reconnaissons pas la réalité de notre être, ou si nous laissons la gestion de notre être à d'autres personnes, comment allons-nous mettre Dieu au milieu de tout ça? Parlons un peu de la honte. A-t-elle une place dans la vie d'un chrétien? Il y a même des chrétiens qui ont honte de dire qu'ils croient en Jésus. Il y a des chrétiens qui ont honte de dire qu'ils croient en Dieu. Il y a des chrétiens qui ont honte même qu'on sache qu'ils prient, qu'ils vont à l'église. Parce qu'on va vous dire que aujourd'hui, ceux qui sont mieux nantis, c'est ceux qui sont dans certaines maisons, il y a ceux qui sont dans certaines loges, il y a des syndicats comme ça de loges qui vous ouvrent les portes de tout, qui vous ouvrent les portes du bonheur, entre guillemets, les portes des fonctions, les portes de ceci. Et vous avez des églises qui sont connues où vous pouvez y aller parce que c'est des églises un peu, je dirais, vendues. Mais vous aurez des gens qui auront même honte de déclamer comme ça le nom de Jésus dans toute sa plénitude. Oui, la honte. Nous ne devions pas avoir honte parce que nous sommes avec le propriétaire de la vie. Nous sommes avec le créateur des créateurs. Celui qui gouverne tout, dans les cieux, sur la terre et partout. Nous sommes avec Dieu. Donc, Dieu dit que ni la faim, ni la nudité, ni le péril, rien ne peut nous séparer de son amour. Donc, dans ces conditions, nous savons que quand nous sommes à Dieu, malgré les pesanteurs de ce monde, quand nous faisons l'effort de plaire à Dieu, la position que nous avons nous suffit. On dit, la grâce de Dieu nous suffit. Et quand la grâce de Dieu nous suffit, à partir de ce moment, nous n'avons honte de rien. Nous n'avons honte de personne. Et le chrétien devait être dans cette attitude permanente. Vivre à l'exemple de Jésus et être complexé par le monde. N'est-ce pas là un paradoxe, Papa Charles? Vivre à l'exemple de Jésus, qu'est-ce que ça veut d'abord dire, Madame la journaliste? C'est ça la grande question. Aujourd'hui, contrairement à ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire ceux des générations antérieures, nous avons le récit de la marche de ces générations avec Dieu. Et nous avons ces récits-là, non pas par le moyen, la tradition orale, mais nous les avons par des écrits, par des exemples. Donc, en fait, les erreurs qui ont été commises par les autres, nous ne devons plus les commettre parce que nous devons tirer les leçons de tout ça parce que nous avons ça dans la Bible. Comprenez? Mais aujourd'hui, vivre à l'exemple de Jésus, c'est mettre nous autres les dirigeants des églises d'un côté et Jésus de l'autre et comparer. Est-ce que la vie que nous avons, est-ce que la vie que nous voulons mener reflète la vie de Jésus? Est-ce que le luxe, la luxure, les orgies dans lesquelles nous nous mettons, nous avons développé aussi l'égoïsme quand nous nous mettons à nous accaparer nous-mêmes des biens de l'église, de l'argent de l'église, et ne pas se soucier des démunis, ne pas se soucier des indigents? C'est vivre à l'exemple de Jésus. Jésus, toute sa vie sur terre, c'était la démonstration du souci des autres, de la bonté sur la peine des autres, de la compassion pour la souffrance des autres. Aujourd'hui, le choix même de l'assistance est sélectif. On ne va que vers ceux qui ont l'argent, on ne va que vers ceux qui ont les moyens, on ne visite que ceux qui ont l'argent, on ne visite que ceux qui ont les moyens. Une pauvre soeur démunie qui va appeler un pasteur au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il n'a rien à gagner. Mais un PDG d'une société qui va appeler un pasteur, même à 4 heures, il va y aller parce qu'il sait qu'il y a quelque chose, il y aura une enveloppe. Ça, c'est vivre à l'exemple de Jésus. Or, le grand test aujourd'hui, c'est ça. Il faut vivre à l'exemple de Jésus. Y a-t-il les conséquences de la honte et du complexe dans la vie d'un chrétien? Des grandes conséquences. Vous avez parlé de la dignité. Vous avez parlé du fait de s'assumer. Écoutez, on va parler par
quatre chemins ou cinq chemins. Il faut dire les choses comme elles sont. Bien sûr, certains font semblant de ne pas voir ce qui se passe. Certains font semblant de se contenter de cette vie-là. Ah, ne nous donnez pas de leçons de morale. Mais Dieu est la morale dans toute sa quintessence, dans toute sa plénitude. Dieu est la morale. Donc, les conséquences, c'est quoi? Moi, je ne parlerai pas de la vie mondaine, mais je parle d'abord de l'être lui-même. Quand vous avez honte de ce que vous êtes, quel épanouissement attendez-vous de vous-même, de votre être? Aujourd'hui, il y en a qui ont honte. Ils ne pourront jamais aller monter leur maison parce qu'on ne veut pas qu'on découvre. Moi, nous avons une cousine à nous. On la trouve dans un état de santé qui n'était pas bien. On la conduit à l'hôpital, on trouve qu'elle est enceinte. On lui demande, mais de qui? Elle dit de Georges. Quel est le nom de Georges? Elle ne connaît pas le nom de Georges. Elle ne connaît que le prénom de Georges. Il habite où? Je ne sais pas. Oh! Mais vous vous retrouvez où? À l'hôtel. Il travaille où? Je ne sais pas. Tu sors avec lui depuis quand? 3 ans. C'est grave. Le monsieur ne t'a jamais montré chez... Non. Georges qui? Rien. Vous savez, quand on a honte, sans le savoir, on fabrique une vie qui n'est plus une vie, en fait. Et on s'installe dans cette vie et tout s'arrête, en fait. Ce qu'on fait n'intéresse que cette vie, cette deuxième personnalité qu'on a. Et on a oublié ce qu'on est soi-même. Parce que vous savez, l'avantage de s'assumer, de se connaître soi-même, c'est qu'on se confie aisément à Dieu. Et on se bat parce qu'on sait d'où on vient et où on est en train de partir. La honte, on a l'impression d'évoluer, d'amasser des choses. Mais en fait, on est en train de tourner en rond. N'ayons pas honte de ce que nous sommes. N'ayons pas honte de là où nous habitons. N'ayons pas honte des vêtements que nous portons. N'ayons pas honte de la nourriture que nous mangeons. Tu arrives dans un restaurant, on présente la nourriture. Toi, tu au lieu de dire, donnez-moi les brochettes et l'oseille, tu as honte. Parce que les gens qui sont avec toi, tu te dis, est-ce qu'ils mangent l'oseille ou quoi? Tu vas te mettre à commander des choses bizarres comme un ami qui a commandé un jour une salade, je ne sais pas comment. Dès qu'on a donné la salade, il a mangé. À la fin, il va me demander encore 2000 pour acheter les brochettes parce qu'il n'était pas rassasié. Alors qu'au restaurant, on lui avait dit, prends ce que tu veux prendre, nous allons payer. Mais la honte, lui, il a dit, oh, mais les autres sont en train de prendre salade de crudité, de machin, tout. Il lui dit, une personne n'a rien. Et même, il n'a pas fini parce qu'il n'a pas l'habitude de prendre la salade comme ça. Et quand on sort de là, je trouve qu'il n'était pas bien. Il dit, Moukediana Satou, oh, j'ai encore faim. Donne-moi 2000. Et on s'est arrêté au marché, au grand marché, là, de Pointe-Noire. Rapidement, il est allé acheter ce qu'on nous appelons aussi le coupé-coupé, le manioc et le piment. Et la façon dont il s'est empiffré de ça, avec plaisir et tout. Mais donc, vous voyez comment la honte a eu à le mettre dans cette situation. C'est comme quand nous demandons certaines choses, on hésite. Au lieu d'être direct, on a honte de demander telle chose. Moi, quand je fais la musique, quand j'ai atteint un certain niveau de célébrité au niveau de la musique, j'ai connu des musiciens qui n'avaient rien. À un moment donné, ils n'avaient plus d'argent. Mais ils voulaient toujours se présenter comme star. Tu lui dis de prendre le bus, il dit qu'il ne peut pas prendre le bus parce qu'il est star. Il ne peut pas prendre le bus parce qu'il est star. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il marche, c'est comme s'il faisait les vitrines. Mais alors qu'il doit quitter la grande gare jusqu'au grand marché parce qu'il n'a absolument rien. Prends le bus parce que tu as 200. Non, il est star. Et quand il marche un peu, quand les gens le voient, voilà, ça sert absolument à rien. Et ça n'aboutit aussi à rien. Ça ne conduit aussi à rien. Maintenant, quant aux conséquences du complexe, vous refusez d'être ce que vous êtes. Vous savez, la plupart des problèmes que nous avons dans nos familles, dans nos foyers, c'est le complexe. Regardez comment les gens fêtent les anniversaires aujourd'hui. Tu n'as rien. Tu n'as même pas quelque chose pour joindre les deux bouts. Ton anniversaire arrive, tu deviens paniqué, tu deviens agité. Mais si tu avais conscience que l'anniversaire pour toi qui prie, c'est une année de plus que Dieu vient d'ajouter dans ta vie, tu allais d'abord avoir une attitude de prière, de gratitude vis-à-vis de Dieu. Regardez comment aujourd'hui certains, qu'est-ce que l'anniversaire intel, il y a mon foie l'outil. Donc, on se fait des petites tenues, on se fait des trucs comme ça, et si on est une femme, facilement, on peut aller se livrer quelque part pour avoir de l'argent, pour faire l'anniversaire. Si on est un homme, on va aller chez les bailleurs, on va aller ceci. Regardez les cérémonies de tous les jours. Un mariage, c'est une union très importante.
Nous avons le mariage coutumier qui est défini par la coutume. Mais regardez comment nous avons transformé aujourd'hui le mariage coutumier. Nous avons maintenant ces décors d'Afrique de l'Ouest, du Nigeria, du Ghana, que nous avons importés et que nous avons... Voyez un peu l'évolution des mariages coutumiers dans le temps et des mariages coutumiers aujourd'hui. Regardez un peu l'évolution. Regardez là où nous sommes devenus. Aujourd'hui, même la présentation, le mbongolo kento qu'on appelle chez nous, quand on vous dit que quelqu'un va aller faire une présentation, c'est devenu même, c'est-à-dire que le décor est devenu le décor de celui d'un grand mariage coutumier. Alors que c'est des choses à l'époque qui réunissaient les deux familles, les amis et connaissances, ça se passait avec les nzonzi à la, d'une manière plus simple. Et quand vous arrivez au mariage officiel, je vous dis, mes bien-aimés, que l'acte de naissance que vous avez à la mairie là, c'est le même acte de naissance. Que vous ayez fait un mariage, si le maire a accepté de célébrer votre mariage, que votre femme ait eu une robe de mariée ou pas, que vous ayez eu le costume ou pas, que vous ayez eu le cortège ou pas, c'est le même acte de naissance. Quand vous allez à la communauté urbaine de Hinda célébrer votre mariage, c'est le même acte de naissance. Et dans la nomenclature des textes administratifs, c'est le même acte de naissance qu'on va vous donner. Mais vous avez des gens aujourd'hui qui hésitent à se marier parce que, ah, la femme dit, oh, tu vas me faire un mariage comme ça. Qu'est-ce que mes parents vont dire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Et vous allez les décès. Vous avez quelqu'un qui va mourir à l'hôpital parce qu'on n'a pas pu faire un scanner. La famille n'a pas pu réunir les 80 000 du scanner avec produit et sans produit, ou les 120 000 du scanner avec produit. La famille n'a pas pu réunir. Le gars meurt. Et regardez à la veillée. Non, veillez à Beto. Il faut pas bande Kodia. Faut pas bande. Alors que vous avez quelqu'un. Donc, vous voyez, le complexe et la honte sont venus donner de ces attitudes qui ont pour conséquence de déstabiliser même le tissu social, de déstabiliser même la cohésion sociale, de déstabiliser même la personnalité en tant que telle. Merci beaucoup Charles Nkongi Londo. Plus que quelques minutes nous séparent de la fin de cette émission. Votre dernier mot en guise de conclusion. Vous avez remarqué, mes bien-aimés, que nous avons réduit depuis un temps la durée de nos émissions simplement pour essayer d'être pertinent, d'essayer de vous faire passer le message. Donc en allant dans les généralités, dans ce qui est de Dieu, et en touchant directement ce qui nous concerne. Les temps actuels, il faut que nous fassions l'effort de garder notre dignité. En toutes circonstances, que nous fassions l'effort de garder notre dignité. Et notre dignité, nous devons la confier en permanence à Dieu, l'Éternel, notre Dieu. Deuxièmement, nous devons cultiver cette intimité permanente avec Dieu. Le résultat, c'est quoi? Le bénéfice de quoi? Nous serons moins portés vers les choses de ce monde. Nous serons moins portés vers la considération de ce qui est terre à terre. Troisièmement, nous devons débarrasser nos églises de ces attitudes-là, le complexe, l'orgueil, la honte et tout le reste, qui donne l'impression au dehors que nous sommes dans la maison de Dieu, que nous sommes avec Dieu. Au contraire, nous n'avons simplement pris que tout ce qui est de la société, tout ce qui est du monde, nous avons amené auprès de nous. Soyez vous-même. Si vous avez une langue maternelle, c'est Dieu qui a voulu que vous ayez cette langue maternelle. Prenez cette langue maternelle comme un gain. Si vous avez un village, reconnaissez-vous comme étant de ce village, non pas pour vous séparer des autres, non pas pour vous diviser, mais c'est une référence, c'est une valeur sentimentale que vous avez. Cherchons à évoluer de par l'effort, parce qu'aujourd'hui, on évolue de façon subjective. Aujourd'hui, même le chrétien se dit qu'on ne peut pas, on ne peut plus évoluer de façon naturelle là. Là, pour évoluer là, il faut être le beau frère d'un tel, il faut être le petit frère d'un tel, il faut être le cousin d'un tel, il faut être l'ami de la septième femme de telle personne. Pour avoir tel papier là, on n'a plus... Parce que qu'est-ce qui encourage aussi la mauvaise façon de faire? C'est nous, les chrétiens. Parce qu'à la demande, il y a beaucoup de chrétiens. À l'offre aussi, il y a beaucoup de chrétiens. Donc, on pouvait arrêter un certain nombre de mauvais comportements. Mais malheureusement, on a honte de dire la vérité. On a peur de dire la vérité. On est complexé parce qu'on veut faire comme les autres. On veut vivre comme les autres. Jeune demoiselle, tu as décidé de garder ta virginité. Tu tombes dans un groupe où on te dit, mais tu es mbaki, tu es bête. Pourquoi ça sert à quoi? Tu tombes parce que tu as eu ce complexe. Je cite toujours cet exemple. J'ai fait l'axe... comment vous appelez ça, Bwanza, à gauche, jusqu'à Bouyonzi. Donc vous pensez, vous passez par là, l'usine de Dangote, vous passez par un grand village qu'on appelle Mayanama, et vous trouvez des jeunes là-bas qui ont le sursaut du retour à la terre et qui sont repartis dans les champs, qui ont des vergers,
certains, après l'agriculture et l'élevage, ont associé avec le transport et tout. Et c'est des jeunes qui sont là. Et vous allez trouver des gens qui vont vous dire, ça, ce n'est pas un métier à eux. Parce que la femme ne voudra pas qu'il aille au champ. Les gens, tout le monde veut avoir, veut aller au pétrole. Tout le monde veut aller en mer. Travailler dans un bureau. Veulent dans un bureau. Alors qu'il y a tout ça. Mais j'ai trouvé dans la Bouenza des jeunes décomplexés. Sans complexe. Et qui vivent bien ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, bannissons le complexe. Bannissons la honte de notre vie. Soyons ce que nous sommes. Soyons fiers de ce que nous avons. De ce que nous sommes. Contentons-nous de ce que nous avons. Et laissons le reste entre les mains de Dieu. Merci beaucoup, cher Mikungi Lundu. Grand merci à vous, auditeurs, internautes et téléspectateurs de Ziana TV, RTA OPH. Grand merci de nous avoir suivis ce soir. Notre thème a été développé par notre invité. À nous revoir la semaine prochaine, toujours dans ce réel plaisir.